Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va regarder ensemble le châssis piste 1/8 la MRXX de Mugen. J'ai fait quelques modifications, notamment sur la partie des amortisseurs. Donc je suis passé en hydraulique selon la reco de setup sheet Mugen en 600 au carré. Et en ce qui concerne les ressorts, j'ai assoupli le train avant, donc j'ai mis des spires en 1.75. Et dans la gamme Mugen, on peut retrouver toute la série 1.7, 1.75, 1.8, 1.9 et 2 en fonction de la dureté de ressort qu'on veut mettre sur son châssis. Donc toutes les combinaisons sont possibles et en fonction du circuit, on va pouvoir adapter l'hydraulique et la dureté des ressorts. Sur la partie électronique, j'ai toujours la même configuration, un SRT ici, c'est bien un SRT, c'est le BH9022, voilà, c'est un servo HV speed pour la direction, et au gaz frein, c'est un Protec 160T. C'est un 31 kg en 0,08. Voilà, qualité fabrication coréenne, Protec et Hightech RC. On connaît la fiabilité, la performance de ce type de servo. Voilà, hyper silencieux, moteur brushless, coupleux et rapide. Voilà, ensuite on a monté un nouveau moteur qu'on va régler ce matin au MRCB. On va faire quelques tests de roulage et surtout des réglages moteurs. C'est un Novarossi Modified Mito 35 roulement céramique. C'est un moteur qui a une dizaine d'années, World Champion Brésil, un 3,5 piste. On lui a monté le Syntax d'origine Mugen ici. On est en module 0,8 et c'est assorti de la ligne de la marque Novarossi, la 51010 EFRA 2015, coup de piste 41015. Cette ligne, elle a reçu un traitement hard coating couleur Gold du plus bel effet. Alors c'est une ligne qui est assez performante et qui est aujourd'hui un petit peu difficile à trouver puisque Novarossi ne fabrique plus de moteurs et de pièces. Tout le monde le sait. Voilà. Pour la config de la voiture ce matin. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.